Bonjour Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un thème ou plutôt une expérience un peu plus personnelle dans cette vidéo. Donc c'est ça, quelque chose qui m'est arrivé cette semaine par rapport à l'hypersensibilité, donc j'avais envie de vous en parler. Pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, qui sont nouveaux ici, donc Monde Marie-Belle, c'est une chaîne qui est consacrée entièrement aux personnes hypersensibles et aux empathes. Et à travers les vidéos que je produis environ aux 2 semaines, je vous donne des trucs, des stratégies, que je vous en suggère, pour vous permettre de vivre de façon plus alignée, plus en harmonie, plus équilibrée. Donc je vous invite à vous abonner si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, jeudi de cette semaine, j'avais un photoshoot boudoir qui était prévu. C'est une collaboration que je reportais ou que j'essayais de faire depuis déjà presque un an avec un photographe avec qui j'ai déjà travaillé. Un photographe que j'aime beaucoup. Ça a été dans le fond, je dirais, le premier qui m'a permis d'expérimenter entre autres la vulnérabilité, puis l'authenticité dont je parle souvent. De travailler dans cette énergie-là de la vulnérabilité, puis de permettre de faire ressortir ça dans les photos. Donc, on avait eu beaucoup de plaisir. Alors, on s'était lancé comme ça l'idée de faire un shooting boudoir éventuellement. Donc, c'était une offre, donc un cadeau que cette personne-là m'offrait. Ça a pris beaucoup de temps à pouvoir avoir des disponibilités communes. Mais bon, finalement, c'est arrivé cette semaine. C'était la semaine de mon anniversaire. J'avais très hâte de vivre cette expérience-là parce que, un shooting boudoir, c'est sûr que c'est un shooting où on est un peu plus dans des vêtements un petit peu plus féminins, sensuels, ça dépend jusqu'où on veut aller, dans le fond. Donc déjà, on est dans un contexte où on est plus fragile, plus vulnérable. Je le savais. Puis c'était quelque chose que j'avais envie de travailler, donc d'aller oser encore plus ma vulnérabilité, l'abandon, puis de me connecter à cette énergie du féminin sacré, cette énergie féminine de l'ouverture, de l'accueil, de la douceur, de la vulnérabilité qu'on a tous à l'intérieur de soi, puis que j'aime beaucoup connecter, puis comme je dis souvent, de me connecter à ma déesse intérieure. Donc, comme personne hypersensible, je savais que ça serait un défi. Déjà, juste d'aller dans cet espace de vulnérabilité-là. Donc, bon, je me suis préparée, comme tous les jours. Ben, c'est sûr que le matin, j'ai fait ma routine de yoga, de méditation, travaillé avec certaines huiles essentielles pour être bien enracinée. J'ai eu à faire des compromis. C'est sûr que, comme personne hypersensible, on essaie de respecter ses limites le plus possible. Mais parfois, il y a des circonstances qui font que, bon, si je veux travailler avec cette personne-là est disponible seulement dans l'après-midi, ben j'ai quand même dit oui. Moi, c'est sûr que c'est des heures où, au niveau de mon énergie personnellement, en début d'après-midi, j'ai vraiment besoin souvent de me retirer, puis de me reposer, faire certaines techniques pour travailler mon énergie, comme des auto-soins de Reiki. Parce que justement, c'est comme une heure des fois où je sens que les stimuli du matin se sont accumulés, puis j'ai besoin comme de faire descendre cette pression-là, de refaire le calme à l'intérieur de moi. Ceci étant dit, j'ai quand même accepté le rendez-vous pour le shooting boudoir en début d'après-midi. Donc voilà, oui, j'avais des attentes, c'est sûr, parce que comme être humain, malheureusement, ouais. On a parfois, souvent, des attentes. J'avais comme une expérience que j'avais vécue la première fois dans un photoshoot un peu plus, bon, conventionnel, que j'avais envie de revivre. Il y avait une belle connexion entre le photographe et moi à ce moment-là. Donc, c'est ça, j'arrive dans l'environnement du studio que j'avais connu quand même une fois, qui est déjà impressionnant. Pour moi,
Donc, c'est ça. C'est de m'adapter déjà énergétiquement à cet environnement-là. L'environnement sonore ne me convenait pas, dans le sens que, tu sais, il y avait quelqu'un qui était déjà en shoot avant moi, la grosse musique un peu forte. Là, je devais rencontrer une nouvelle personne qui était l'artiste maquilleuse, donc une nouvelle énergie. Ça l'a bien connecté. J'ai vraiment eu une belle connexion avec cette personne-là, mais parle avec cette personne-là, essaie de m'adapter avec l'énergie. Là, il y avait la grosse musique, il y avait le stress aussi de me dire, mon Dieu, je m'en vais quand même m'abandonner ou en tout cas m'ouvrir dans un photoshoot boudoir. Donc, tu sais, je sentais à l'intérieur de moi toute cette espèce de mélange-là de sensations que j'étais en train d'analyser puis d'essayer de, pas contrôler, mais bon, comme accepter si je veux, tu sais, tout en essayant de rester le plus possible centré. Tout ça pour dire que j'ai finalement vraiment senti comme une vague de trop-plein d'émotions puis de sensations, malheureusement, qui montaient. Bon, avec l'artiste maquilleuse, on a finalement... Elle était aussi hypersensible, hasard de la vie. On a finalement demandé pour baisser la musique. Ça a fait du bien quand même. Mais j'ai pris conscience que j'avais dépassé mon seuil déjà de stimuli. J'ai essayé de me ramener tout de suite dans le moment présent parce que j'ai quand même développé des techniques, d'essayer de rester dans la respiration. J'ai pris des pauses. À un moment donné, j'ai dit « Ok, j'ai besoin de faire ma bulle avant de commencer le shoot. » Mais c'est ça. J'ai senti comme personne hypersensible que, c'est ça, on a beau essayer de se préparer puis d'avoir des stratégies, il y a malheureusement des circonstances parfois qui sont pas des conditions idéales pour nous puis qui font qu'on dépasse. On dépasse notre seuil de tolérance, finalement. Donc, c'est ça. J'ai eu une expérience où je me suis sentie quand même un peu poussée en termes de temps aussi. Le photographe avait son horaire à respecter. Puis moi, c'est correct dans le sens que je le respecte aussi. Parce que c'est pas... Comment dire? J'ai compris... Bon, c'est sûr, quelques jours plus tard, que l'idéal pour moi, ça aurait été d'exprimer encore plus mes limites à cette personne-là puis mes besoins par rapport au temps dont j'ai besoin, étant donné que c'est un shooting boudoir, de poser la question. Tu sais, mais est-ce que je vais être seule à ce moment-là? Est-ce qu'il va y avoir des gens avant moi? Est-ce qu'il va y avoir moyen de contrôler l'environnement sonore? Est-ce que je vais pouvoir disposer de... X période de temps, c'est comme si ces éléments de réponse-là, dans le fond, m'auraient permis de prendre une meilleure décision. Si ce photographe-là m'avait dit, parce que moi je lui aurais demandé, parce que c'était pas à lui à venir vers moi. Non. Quand personne est hypersensible, c'est vraiment à moi d'explorer puis de poser les questions à savoir si l'environnement va me permettre d'être sécuritaire, puis de pouvoir être en confiance puis de me déposer. Donc voilà, c'est des apprentissages. j'ai eu une expérience, bon, que mitigée, disons. T'sais, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de me déployer dans cette énergie féminine-là. C'est comme une fleur qui ouvre ses pétales doucement. Ce qui était très important dans ce contexte-là. Je voulais juste vous en parler aujourd'hui parce que c'est pas personnel, dans le fond. C'est rien contre la personne qui m'a reçue, qui m'a accueillie, qui m'a offert de son temps, parce que c'était vraiment une entente qu'on avait. C'est ça, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai fait encore que, oui, on est différent. Oui, on a vraiment besoin d'un environnement plus calme, plus sécuritaire. Comme je dis tout le temps, je suis pas vite. Dans le sens que j'ai besoin de plus de temps pour me déposer,
Puis on s'assume pas toujours, tu sais. Même avec la personne qui me maquillait à un moment donné, je me disais, il me semble que j'aurais envie d'arrêter de parler. Puis je suis certaine que la personne m'aurait compris, parce qu'elle est sensible. Mais j'ai pas osé le demander. Donc c'est un bel apprentissage pour moi. Je me suis permis quand même aussi de l'exprimer au photographe que j'aime beaucoup puis que je respecte aussi. En me disant peut-être qu'un type de cliente comme moi, tu sais, ça permettrait pas de l'exprimer, puis ça va peut-être y arriver de croiser des personnes comme moi, tu sais, hypersensibles, qui ont besoin de plus de temps. Puis il l'a très bien accueilli d'ailleurs, donc je le remercie vraiment beaucoup pour ça. Donc c'est ça. J'avais juste envie aujourd'hui de vous partager à quel point j'en ai déjà parlé, je vais en parler encore, j'ai fait des collaborations là-dessus, les limites. Mais c'est important de les connaître, de les reconnaître. Puis des fois, je pense qu'on a encore besoin d'ajuster ces limites-là, puis de pouvoir les exprimer. Tu sais, il y a vraiment quand même un pattern qui est là, qu'on a encore, tu sais, parfois, en tout cas, je parle personnellement, où, ben, on veut pas déranger, on veut plaire, les hypersensibles aiment pas les conflits, on a peur du rejet, de l'abandon. Donc, c'est sûr que dans un contexte, tu vas dire, hey, tu peux-tu fermer ta musique, tu peux-tu faire telle affaire, ralentir ton temps, dire à l'autre mannequin qui est après moi d'attendre parce que moi, j'ai besoin de 20 minutes de plus. Est-ce que j'aurais osé? Bon, c'est sûr que j'aurais pu oser, j'aurais peut-être eu un non, puis bon, ça aurait été à moi de décider ce que je fais, mais ouais, c'est ça, c'était juste pour vous dire que j'ai pas toutes les réponses. J'avais vraiment envie de partager cet événement-là qui est arrivé cette semaine, qui m'a fait faire plusieurs constatations, puis pour vous dire à quel point ben oui, c'est ça, faut accepter que des fois on a beau essayer d'avoir mis beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne, mais on est juste comme submergé par un trop-plein de sensations, de stimuli, puis on est comme dépassé par les événements. Puis je pense que aussi ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours se donner le droit de demander à la personne qui est avec nous jusqu'à quel point elle est capable de s'adapter. Parce que souvent, ces personnes-là vont le faire la plupart du temps, si c'est possible, avec plaisir. Donc, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'aimerais ça savoir si ça vous arrive des fois ou ça vous est déjà arrivé. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, me partager si vous avez eu des situations des fois où vous sentiez que... Ben, vous aviez vraiment fait beaucoup de choses pour vous adapter, mais que malgré tout, vous êtes senti dépassé puis un peu déçu dans le fond par comment s'est déroulée la situation finalement. Donc voilà, je me suis permis d'être un peu plus dans la spontanéité puis la vulnérabilité aujourd'hui pour vous partager cet événement-là que j'ai vécu. Donc, je vous invite à me poser des questions, à commenter cette vidéo-là et partager si jamais vous pensez que ça peut toucher certaines personnes autour de vous. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ces vidéos-là ont un impact, que ce soit dans la vie d'une personne qui veut la partager avec une autre personne. J'ai vraiment beaucoup de commentaires de plus en plus, puis vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, donc ça me touche vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette belle communauté-là qui grandit. Fait que je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!